vient de se réveiller. Et voilà la vue qu'on a à 6h30 du matin. Magnifique. Même la lune au-dessus. Elle est là. Elle essaye de faire genre, elle essaye de prendre des photos. Qu'est-ce que tu disais? Que je filme mieux que toi. Ah, regarde comme c'est beau la panneau. Hein? Voilà. Ça, c'est le panneau que j'ai fait moi. Alors là, donc on est en plein tour à Monument de Vallée. Et ici, je vais vous zoomer, c'est le John Ford Point. Donc où ils ont tourné les westerns, etc. Là, juste ici, où il y a les gens qui posent. Non, c'est quand même beau. Mmh. On va pas se plaindre. Et en plus, il y a un beau temps. Il y a des chiens. Il y a des chiens de partout ici. Partout, 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 partout. Et des chevaux aussi. C'est vraiment super silencieux. C'est un truc de fou. En fait, c'est une route qui est privée, que tu vas que avec les guides. C'est waouh. Vraiment très, très, très... On peut voir qu'il y a des petits animaux qui traînent. Je sais pas si vous voyez les pattes, traces de pattes. Et là on s'arrête, donc c'est le dragon, ça s'appelle. Donc ça c'est la tête, les narines, vous voyez la tête, hop, et le corps. Voilà, c'est le nom qu'ils lui ont donné. C'est pas mal, c'est assez représentatif. Jalouse parce que moi je filme mieux et que je suis meilleure. Donc ça c'est leur maison, ça s'appelle des Hogan. C'est trop chou. Moi j'ai ma belle coiffure d'indienne là. Franchement. Eh, hey, je sais pas si on voit. Canon quand même. Canon quand même. Et moi. Et toi, bah t'as des cheveux normaux. Trop beau, c'est ça? Oui. Ils ont pris une heure à coiffer tes cheveux, donc là on est en retard. On peut marcher jusqu'à là-haut. C'est trop bien. C'est magnifique. J'arrive pas à monter.
Mais c'est magnifique. On a réussi. Et ça valait le coup. Michel, la photographe. Regardez-moi cette vue. De fou. Magnifique. Alors là, c'est à la forme d'un œil. Et autour, il y a même les cils. Regardez, il y a même des... comme des hiéroglyphes dans la pierre. Des lobes, des chèvres, tout ça. Ça y est, on s'en va. C'était trop beau. On fait un dernier petit coup d'œil à Monument de Malais. Ouais. Vraiment, c'était top. Qu'est-ce que t'en as pensé, Michel? C'était vraiment. Ouais. Vraiment, bon, la route, wow, faut s'accrocher. Hein. Il y a plein de bosses et tout ça, mais ça vaut le coup. Et on a pris le tour de 3 heures parce qu'il y a plusieurs tours. Et c'est vraiment vraiment super parce que vous allez jusqu'au fond où vous pouvez voir les hiéroglyphes. C'est vraiment, voilà, vous pouvez vous aller dans un hogan. Donc on a vu la dame qui tissait, elle m'a fait mes cheveux. Bah, c'était fou. C'était vraiment fou. On a appris plein de choses, enfin, voilà, sur les Navajos. Bah, déjà pour faire leur petit tapis, ils mettent un an. C'est tout fait à la main. Après il parlait, il disait que les arcs-en-ciel sont très importants, qu'il ne faut pas les pointer du doigt. Et donc là on s'en va direction Bryce Canyon. Donc demain c'est ce qu'on va faire, Bryce Canyon. Ce soir juste on arrive et on dormira. Mais c'est très loin, c'est à 5 heures de route. Donc voilà, on arrivera ce soir hein. Parce que là c'est déjà midi passé. Donc le temps qu'après on s'arrête pour manger enfin. Ah, on a fini. Honte à nous. Mais bon, on est sur la route alors. Ça va, il y a assez de sauce, vous pensez ou pas? Je sais pas, je suis pas sûre. Michel allait chercher les boissons, elle a pris un Sprite. Bon, ça va. Et moi, regardez mon Fanta. Oui, mais oui. Regardez mon Fanta. C'est orange fluo. Fluo, mais sans déconner, c'est fluo. Je regardais, c'est la même couleur que ça. Non, c'est encore plus orange, tiens. Là, c'est le lac, comment on dit? Powell. Le lac Powell. Je sais pas si on peut voir un petit peu. Là. Voilà, derrière le school bus. Là. D'arriver, on a un petit aperçu. Donc demain ça va être ça. Donc c'est des cheminées rouges en fait, vous voyez, ça s'appelle des houdous. Et c'est comme ça, tout rouge. Ça a d'ailleurs inspiré le Big Thunder Mountain de Disney, le train dans la mine. C'est une petite info essentielle. Et voilà le hall de l'hôtel, il est trop canon, je voulais vous montrer. De toute façon je vous mettrai tous les liens des hôtels à chaque fois. C'est un Best Western, donc il est franchement pas mal du tout. Nous voilà à l'hôtel. Alors franchement, il est canon. Genre on a un couloir et tout. Petite salle de bain, double masque. Petite baignoire. Quoi, c'est marrant. Double masque. Ah oui. Et un petit, très très petit lit. On voit qu'on peut dormir à peu près à 10 là-dedans. Ouais, c'est sympa. On pense qu'on a été surclassé parce que honnêtement c'est une très 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 grande chambre. Donc on se plaint pas hein. Micro-ondes. Normalement il y a le frigo là-dedans. Ouais. Il y a toujours ça dans les hôtels américains. Je sais pas si je l'avais précisé. Et toujours. Voilà. Donc là c'est 20h je crois. On a juste acheté la petite supérette. Un paquet de chips et pour demain midi des wraps parce qu'on va manger dans le canyon. Et là ce soir on va manger dans la chambre parce que on est un petit peu fatigué.
Quand même, on a bien roulé. Il fallait 5 heures de route pour aller de Monument Valley à Bryce Canyon. Et on va se faire... On s'était pris, d'ailleurs, je vous conseille ça quand vous venez en voyage, en road trip ou pas. Une petite soupe à faire au micro-ondes. Et des petits sachets, vous savez, de riz à mettre au micro-ondes ou de pâtes. Enfin, il y a plein de déblis, tout ça. Donc c'est pas mal, comme ça on est tranquille dans la journée. Et voilà. Et demain, Bryce Canyon. Donc on va faire la randonnée. Donc ça va être top. Et les points de vue. Et le soir, direction Vegas. Et donc on aura fini tous nos parcs nationaux. Et oui, nous voilà en direction de Bryce Canyon. Oui, on vient de partir de l'hôtel là. Il fait très froid. Ok, il fait très très froid, hein, comme vous pouvez le voir. Il fait 0 degré. Ouais, voilà. On a très froid. Là, donc on va rentrer dans le parc. Il faut payer, hein, comme dans tous les parcs nationaux. Il faut payer. C'est par voiture le prix. Et puis on va faire les points de vue. Et puis on va voir si on descend un petit peu dans le canyon. Qu'en penses-tu? Très contente, mais très froid. On est classé. Et la voiture aussi. La voiture aussi, elle est... Et salut tout le monde, c'est Marie. Nous sommes à Bryce Canyon. Je tiens à vous dire que Michel est vraiment la meilleure. Regarde, on est là. On est Inspiration Point. Ici. On fait comme au Grand Canyon. On regarde pas. On marche la tête baissée. Et on va filmer en même temps qu'on va découvrir. On va essayer du moins. Faut pas qu'on tombe, hein. Tu me dis quand on relève la tête. C'est bon? Oh, ok. Waouh. Ah ouais, quand même, hein. C'est beau. C'est waouh. Effectivement. Et oui, on est bien couverte, hein. C'est... Qu'est-ce que t'en penses, Michel? C'est magnifique. Waouh. Trop beau. Là, on a changé. On est au Sunset Point. Donc, on peut voir. Mais c'est dommage parce que c'est nuageux aujourd'hui. Bon, au moins, il pleut pas, mais... On voit moins bien les couleurs d'habitude, c'est un peu plus rouge. Mais bon, c'est très beau. Alors on va faire ça. On va descendre. Peut-être pas jusqu'au bout. Vous avez ici, ça s'appelle Thor's Hammer, donc le marteau de Thor. Ici, Thor's Hammer. Ça a la forme, plus ou moins. Donc c'est un endroit très connu de Bryce Canyon. Regardez, on dirait que c'est quelqu'un assis là-bas. Mais non, c'est une pierre. Ici. Là. On va descendre là. Peut-être pas tout. Je suis déjà fatiguée. Salut. Oui. On est en train de descendre ça. Mm-hmm. On essaye du moins. Marie va essayer. Elle va être morte dans 2 secondes et sa mère va l'engueuler. Coucou maman. Elle fait des photos très risquées. Je fais des photos risquées. Là on sourit, mais pour remonter, on va pas sourire. Là ça s'appelle les 2 bridges. Bah, on voit clairement un pont, 2 ponts. Super beau. Et voilà ce qu'on a en bas. C'est magnifique, ça fait une petite oasis. Un petit paradis. Petite fusée là. Ah bah là. Moi je suis au bout de ma vie. On a encore tout ça à monter. Tout ça. Mais on va y arriver, hein. On a déjà fait pas mal. Et voilà, je suis au bout de ma vie. Concrètement. La grande sportive parle. Mais ça vaut vraiment le coup si vous venez, vraiment.
trop trop beau. On a fait la Navajo Loop. Voilà, en fait, ça fait une boucle. Donc, c'est vraiment beau. On va passer dans le petit tunnel. Ouh là là, faut baisser la tête. On est morte. On a réussi. Ouais, c'est ça, ouais. On a réussi à monter, à finir le trail, quoi. Mais on est morte, mais morte. Mais tout le monde était mort. On est complètement, mais fracassé. C'est ça, ouais. On était. Et donc, allez, pour être Vegas. C'est ici quand on met l'essence. Hop, une petite télé avec des pubs ou des infos. C'est pas mal, hein? On est sur la route, on s'est arrêté là. Alors là, vous devez connaître ce magasin. Vous êtes obligés. C'est genre magnifique. Oh, oh là 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 là. Ils sont connus pour leurs bougies et pour leurs petits désinfectants pour les mains. Est-ce qu'on a acheté assez? Je suis pas sûre. Ça fait déjà genre 20 kilos. On arrive à Vegas. Oui. On est sur le strip. Oh, oh. Non mais sérieux. C'est magnifique. C'est idiot. La 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 la. Oh. Ça va être nous mardi soir. Il y a un monde de fous. Wow. Voilà à Vegas. Je vous montrerai l'hôtel après. On a tellement galéré avec les valises. Et en plus, il y a un match de hockey en même temps. Donc c'était difficile à se garer. Alors voilà, belle salle de bain quand même, hein. Donc on est dans le New York, New York. Et la chambre, alors on devait avoir une petite chambre parce qu'on a, voilà, on a pris la moins chère des chambres. On a été surclassé. Oui, oui, oui. On se plaint pas, hein. Quand même, hein. Hop, voilà. Et en plus, on a quand même la chance d'avoir la vue donc sur un bout du strip et sur le roller coaster. Donc on est super contente. Hop. Là, on voit le roller coaster. Et ici, c'est la statue de la liberté. Et donc là, voilà, c'est le début du strip. En fait, ici, c'est le strip et là-bas, donc c'est le début du strip. On est contente. On est prête. Ouais, on va faire un M&M Swag, on va manger, on va un peu visiter notre hôtel. Et voilà, c'est super. C'est la folie avec les ascenseurs. Ah oh ouais, c'est un peu compliqué les ascenseurs. Je vais vous montrer. Ah, ascenseur, il y a ascenseur A et ascenseur B. Déjà, on est à l'étage 18. Il y en a 30. 30 étages. Hop. Ça change des canyons. Oui. Ça change. Waouh. Oui, ceci est un hôtel, escalator dans les hôtels, hein, c'est normal, hein. C'est normal. Tout ça, c'est dans notre hôtel. Oui. On vient de faire le roller coaster de notre hôtel. C'était pas mal, hein.
manger au Shack Shack. C'est les meilleurs burgers des États-Unis. On en a mangé à New York l'année dernière. On va aller chez M&M's World si on arrive à traverser. Regardez le monde qu'il y a sur le strip. Là, là, toute la voiture. Truc de ouf. Et là, on est sur le pont donc pour traverser parce qu'il n'y a pas de passage piéton. Donc, on traverse. Et voilà, on est au M&M's World. Il y a 4 étages. Ça, c'est un magasin Coca-Cola. Oui. Ça y est, on est rentré de notre repas et promenade nocturne de Las Vegas. C'est trop bien. Michelle, elle est en kiff total. Ouais, total. Moi, j'ai un petit décalage entre les parcs nationaux et Las Vegas. C'est assez violent. Mais c'est super. Hein. Super, super, vraiment. Il y a beaucoup de gens, par contre, en fait, l'alcool est autorisé et la cigarette, etc. à l'intérieur. Enfin, il y a beaucoup de. Les gens se baladent aussi avec l'alcool. Enfin, c'est assez étrange. C'est assez. C'est un monde à part, voilà. Tout le monde est à moitié à poil aussi. C'est Las Vegas, quoi. C'est la folie, folie, folie. Mais c'est super. C'est vraiment. 24 sur 24, c'est tout ouvert, tout fou. Ah oui, 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 on a fait le roller coaster, je l'ai fait pour Michel. Les loopings, c'est un petit peu trop violent pour moi, mais ça va, j'ai réussi, et elle était contente. Ouais. Demain, donc, on va faire le Vieux Vegas. D'abord, on fait du shopping, et ensuite, on fait le Vieux Vegas. Donc, ça va être cool. Ça va être cool. Et on est contente. Et là, très fatiguée. Donc là, douche et dodo.